Hey, salut toi, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je risque de perdre mon diamant 1 en faisant cette vidéo. Et voilà, aujourd'hui on va voir un petit peu comment on peut gagner une game facilement sur Rocket League. Donc tout simplement, on va déjà regarder, la première chose qu'on va regarder en kick-off, c'est qui est-ce qui commence. Déjà, ça va être commencé, on va le follow. Ce qui est sûr et certain, on va dire tout ce qu'on va faire. Donc là, c'est un kick-off goal. Même pas? Alors si... Là, j'ai fait une petite erreur. Je suis allé chercher le boost alors que j'avais ce qu'il fallait. Je le follow. Le mate, enfin le en face, ils ont pas beaucoup de... Ils ont pas beaucoup de joueurs. Il y en a un qui a AFK pour le moment. On va lui mettre un petit beau tir. Et je vais un petit peu voir les erreurs que je fais et que les autres font. Alors là, le kick-off, on n'a rien à faire, tu vois. On va juste suivre le mate qui veut y aller. Hop. Moi, je vais rester un petit peu en back. Là, bon, je peux pas y aller. Le joueur adverse a le... Et nous, on va juste récupérer. Et puis marquer. C'est juste beaucoup. C'est beaucoup de on sait que les deux ils ont commit. Donc du coup à la fin on va récupérer la balle. À cet élo-là, il n'y a pas besoin de faire grand chose. Là on va le follow. Et là il y a but. Oh la chatte qu'il a. Bon bref. Là il n'y a rien à redire. J'ai fait mon tir. J'y suis allé. J'aurais peut-être dû faire autre chose. Et là on recommence. Bon là j'ai peut-être fait une connerie. Et là normalement, putain, normalement il est censé avoir but. Je me suis... Là je vais retourner, j'ai beaucoup de boost. Je vais la contrôler si je peux. Bah je peux pas. Donc je vais chercher le boost. Ok, il a fait une petite erreur mais c'est pas grave, j'avais toujours la balle. Oh bâtard, j'ai fait la pire. Là c'est ma faute, là j'ai remis dans l'axe. J'aurais juste, au lieu de la contrôler, j'aurais dû la tirer plus fort. Et c'est ça mon erreur que j'ai fait. Je vais lui dire que je l'ai. Et hop. Là il n'y a rien à faire, il y a soit but. Dommage qu'il n'y ait pas but. Là il a fait une petite erreur. Allez mon mate! Bon. Il est pas venu, ce qui est dommage. Là, je fais beaucoup d'erreurs là en ce moment. Et c'est bien de montrer qu'elles est. Ok, vas-y, vas-y, prends, je vais éviter de lui. Là, je reste un petit peu, je vais le suivre tout doucement. Là, je peux juste. Voilà, il me bump. Par contre, ça, c'est une erreur. C'est une erreur qu'il a faite. Ça lui dit d'y aller maintenant. Vas-y. J'y vais. Je retourne. Oh, j'ai fait de la merde. Là, normalement, c'était censé être cadré. Bon, c'est beaucoup d'erreurs au niveau du cadrage. Ok. Putain, j'ai fait de la merde. Déjà, je suis. Regarde où je suis. Regarde où je suis exactement. Là, je regarde. Lui, il a fait l'erreur de ne pas l'avoir contrôlé, mais ce qui est normal. Moi, ici, j'ai fait l'erreur de me mettre contre le poteau. Et on a eu double erreur. Ce qui fait que, bon, on s'est fait un peu niquer. Là, je cherche le boost. Et je la mets dans l'axe. Boum. Oh putain, il m'a niqué. Vas-y, là, mon mate. Là, je vais juste lui mettre un petit centre. Ok. Ok, je prends. Oh. Je lui mets un petit désolé parce que vraiment, j'aurais pu la prendre mieux. Du centre, mais non, mais il est pas là, mais ce qui est dommage. Normalement, dans les vrais games, oh. Prends, gros.
Bien joué. Là, j'y vais. Je l'ai pas eu, parce que je fais de la merde. Et il y a un arrêt. Et là, j'y retourne. Et je la dégage. Là, je lui laisse. Et ça lui. Et normalement, trop sur le. Ça lui. Un petit centre. Ce qui est dommage. Là, je la décoche pour éviter qu'elle soit dans l'axe. Bien joué. Là, je lui mets un petit quel arrêt. Là, mauvais touch de la part de l'adversaire. Et là, il y a but. Là, clairement, il est dos, il aurait dû y aller. Oh merde, je me fais. Parfait. Là, je peux pas l'expliquer, mais je vivais. Oula, ghost hit, dommage. Dommage. J'ai pas de boost. Ah, il m'a bump. Dommage. J'y vais, je follow. Normalement, il y a but. Là, au moins, j'ai gagné. Même en expliquant, j'ai réussi à faire le meilleur move, tout simplement. Et je vais vous expliquer pourquoi. La game, on vient juste de la jouer. C'est mon petit gameplay, hop. On termine, on l'a sauvegardé et on le visionne. On va voir son gameplay à lui et on va voir comment il s'est positionné. On va se mettre sur la petite POV. Donc là, on est sur la POV adverse. Donc là, il s'est bien mis. Il s'est vraiment bien mis. Il a contrôlé et hop, c'était but parce que le mec est AFK. Donc là, il n'y a rien à dire. Là, il est parti challenge. Bon, le challenge n'était pas ouf, mais au moins il a gêné le gars. Ensuite, là il était mal mis, mal positionné, mais c'est pas très grave. Après moi j'ai pu en profiter. Donc là on a marqué. Très génial de sa part. Le kick-off. Le kick-off. Un kick-off payant qui aurait pu être but si jamais j'avais été là. Bref. Là il est parti chercher le boost qui est relativement anormal. Il s'est remis dans l'axe, il l'avait pas en premier. Et il l'a défendu en faisant un semi-pinch sur le poteau. Et moi de mon côté, il est parti challenge, ce qui est plutôt pas mal, il était présent. Alors là, moi, mon erreur, c'est d'avoir fait demi-tour trop rapidement. Lui, son erreur, c'est il a fait aucune erreur. Là-dessus, j'ai juste une erreur, c'est de ne pas avoir attendu, j'ai commit, en gros. Et là, bah du coup, ce qui est dommage, j'avais pas vu ça, mais il a très bien joué. Là, il a fait un très bel arrêt, il s'est bien positionné dès le début, il a vu que je l'avais et que j'ai raté, ce qui est relativement dommage. Que tu peux rater des choses à cet élo-là.
Là, très bien, il a très peu de boost, il est suggéré. Là, je suis pas allé parce que je savais pas qu'il avait pas de boost. Là, il m'a bump, mais c'est qu'il sait pas délock la caméra. Là, il était plus dans l'axe que moi. Donc, du coup, j'ai fait une erreur d'avoir été sur la balle. Là, il a un bon 50 qui est parti. Heureusement qu'il a fait ça. Et moi, je me suis retrouvé sur le poteau. Bon, il a eu un mauvais 50. Il n'avait pas eu de chance de son côté. Et donc, c'était plutôt désolé pour lui. Alors, là, moi, je suis allé rechercher. J'ai remis dans l'axe. Il m'a un peu follow. Il a bien joué là sur ce. Il aurait peut-être dû aller chercher le boost à ce moment-là. Oh là, il a bien challenge malgré mon erreur. J'ai fait énormément d'erreurs dans cette game, c'est abusé. C'est abusé, là je les vois toutes. Toutes mes erreurs. Là j'ai encore fait une erreur, mais c'est parce que je voulais lui dire d'y aller. Dommage qu'elle soit pas puissante, mais elle était bien cadrée. Là j'ai vraiment eu peur, c'est pour ça que j'ai ball chase. Ah je comprends pourquoi des fois dans mes gameplays. Oh dommage là il l'avait bien. Je comprends que des fois dans mes gameplays on me dit que je suis nul. Parce qu'en fait des fois je ball chase alors qu'il aurait pu y aller. Là c'est un très bel arrêt. Il va chercher le boost qui est largement normal. Il va tenter de se la jouer perso. Ce qui est relativement normal, moi je suis un petit peu au milieu, je. Ok, l'arrêt là-dessus aussi. Là, je vais contrôler la balle et je vais la 50. Sauf que la 50 est pas favorable. Lui, il réussit à la toucher. Ah, il a un peu trop ralenti. Il a un peu trop laissé jouer l'adversaire. En fait, il fait beaucoup d'erreurs, mais très peu qui engagent un but. Et ça, c'est frustrant. Parce que moi, je me rends compte qu'il y a des fois où je fais beaucoup d'erreurs. Et ça engage des buts. Là, par exemple, ça aurait pu engager un but. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Heureusement qu'il marque pas. Là, j'arrive ici. Bon, on a fait la petite erreur que tout le monde fait. Là, il y a eu overtime, le kick-off qui prend, je suis là. Et voilà. Ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt rassurant, c'est que je sais que tout le monde fait des fautes, des erreurs, que tout le monde ne les. Ouais, que tout le monde ne les voit pas. Mais que moi je fais plus d'erreurs qui accordent un but que les autres. Et ça c'est frustrant. Et je me rends compte qu'en faisant ça en fait. Là ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'évite. Il faudrait que j'évite un truc. C'est que tu vois ce gameplay, c'est que à un moment donné, je suis ici. Hop, je vais directement la plaquer et la remettre en jeu genre au milieu. Et ça c'est un truc qui peut facilement faire un open. Ah et c'est aussi, faut que je trouve un entraînement. Hop, dans personnalisé. Aerial shot. Genre un truc de genre pour pouvoir que ça m'entraîner. Regarde. Oh dommage.
Si on regarde, c'est des trucs qui me manquent là. Ou alors, changer de mode. Un entraînement open, si on peut. Alors là, c'est shouldn't miss. C'est un truc que je devrais réussir. Ah ouais, c'est des trucs de genre. Pourquoi j'arrive pas en fait? Ouais, c'est des trucs de genre, tu vois, c'est. Ouais, c'est ce genre de truc qu'il faudrait que je fasse. C'est un entraînement genre spécial pour les open. Même si ça c'est pas open. Bon bref, t'as compris. Sur ce les amis, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, j'essaierai de trouver un gameplay où je perds. Et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kuno. Bye bye.